Eh bien, salut gens, on se retrouve ici pour la troisième partie du mode zombie sur Black Ops premier du nom. Je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis sinon, bah, je vous souhaite le bienvenu. Donc, on est manche 21, comme vous pouvez le voir. Et puis, on va se faire un petit tour en téléporteur, comme d'habitude. Et puis, ça nous fait extrêmement plaisir d'attendre les zombies ici. Donc on avait déjà eu des moments assez chauds les dernières manches. Parce que bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai plus joué depuis un an. Et donc il faut que je reprends ça tout ça en main. Et donc je suis déjà mort une fois. Mais bon, on va essayer de rattraper tout ça. Donc là on va se faire encore un tour vite fait. Voilà, c'est bon. Ah bah on va mettre la bobine là-dedans. Comme ça on a un nouveau film qui va se lancer. Super. Un film qu'on aura de nouveau certainement pas le temps de regarder. Non, il n'y a rien ici. Voilà. Donc on va nous faire des petits rampants de nouveau. Non, oh, putain, par contre là j'aime pas les zombies qui arrivent, qui viennent par là. Ça c'est l'avantage si on joue à deux ou à plusieurs. Il y en a vraiment un qui peut s'en occuper des zombies qui viennent bah, alignés comme ça. Et puis l'autre qui s'occupe de ces zombies qui viennent un peu de partout. Parce que là c'est vachement bien de se faire des points aussi là-dedans. Mais on ne peut pas rester longtemps ici parce que sinon il risque de nous faire bloquer ici. Voilà. Et puis ça, forcément, c'est jamais bien. Parce que les escaliers et tout, c'est vachement dangereux. Oh putain, par contre ça, c'est pas une bonne idée. On va sortir le Thunder, même si c'est juste une petite armée. C'est pas grave. D'ailleurs, je trouve que à deux, c'est vachement plus simple. Et plus marrant aussi. Mais voilà. Par contre, à plusieurs, donc plus que deux, je trouve ça même pas aussi bien. Merde, par contre, si ça c'était les derniers zombies, c'était pas intelligent de mettre ça là. Ah, tu veux pas mourir toi, non? Toi t'es chaud à rester en vie. Donc, ça, on va mettre la liaison. Voilà. Et est-ce que on tente de nous faire des cases? Ouais, ouais, ouais. Les munitions tout doucement commencent à diminuer. Donc on va ouvrir vers là-bas. Même si, comme j'ai déjà dit, j'aime pas trop ouvrir vers là. Mais s'il le faut. Voilà, donc ça c'est le truc pour tirer plus rapidement. Mais ça, je kiffe pas trop. Non, ça certainement pas. Est-ce que dans les poubelles il y a quelque chose de bien? Non. Donc, le truc qu'on cherche, c'est évidemment des singes. Sinon, le reste, on est bien équipé. On a déjà le Thunder et tout. Le pistolet éclair. Ah oui, le canon 2, c'est quand on l'améliore. Ça s'appelle canon 2. Là, pour l'instant, c'est le pistolet éclair. Parce que dans les dernières vidéos, bah, j'ai dit que c'était le canon 2. Allez, on se refait encore un tour et puis après... ah bah non, mais il nous faut des munitions en fait. Ouais, allez, parce qu'on a besoin de munitions. Parce que, comme j'ai déjà dit, le pistolet laser, je le kiffe pas vraiment. Même si c'est sûr que, voilà, il est amusant. Mais par contre, franchement, moi j'aime pas du tout. Enfin, je l'aime pas vraiment du tout. Mais c'est que, souvent en fait, vous allez certainement le voir, je me tue moi-même. Parce que si on tire maintenant, par exemple, si je tire là maintenant, je me blesse. Parce qu'en fait, le laser il rebondit et puis ça va vers nous et donc c'est super dangereux. Donc de loin j'arrive encore à gérer le coup, mais par contre après ça devient vite fait dangereux. Donc vous allez voir que je le gère pas du tout. C'est pour ça qu'on va vite fait on va très vite fait le changer aussi. Donc là je vais même pas faire des je vais vider ça comme ça. Voilà, on va quand même pas faire ça.
Allez, on va faire ça, hop. Voilà. Regardez! Oh! La belle fête! Donc là, c'est vraiment juste pour vider ce pistolet. Par contre, il y a les caisses gratuites là, enfin les caisses à 10 points. On n'aura certainement pas le temps de le prendre, ça c'est trop risqué. Allez, ça on va se la prendre. Ah, mais puis c'est tout. Ça, après ça, on aura de nouveau un nouveau film. Est-ce qu'on peut le tenter? Oh, chaud, chaud, chaud. Et puis moi qui va pas gérer, bien sûr, les gens qui pouvaient gérer maintenant le pistolet à laser, ils pourraient le tenter, mais moi je gère pas. Donc moi je vais pas hésiter de aller à fond avec les munitions, de vider tout ça à fond. Je sais que quelques-uns vont se dire, mais putain, le pistolet laser, c'est un des meilleures armes du monde. Et puis le mec il vide ses munitions avec ça. Je peux comprendre, mais par contre moi franchement je kiffe pas. Normalement pas. Bien sûr dans un tas c'est super bien, mais par contre si on a par exemple un seul c'est pas trop utile. Et puis aussi comme dit, je me tue souvent moi-même avec. Et puis aussi, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Moi, je tire déjà dans le vide. C'est que bah, il se vide assez vite. Bon, là, c'est parce que j'ai un peu abusé sur le coup. Merde. Non. Non, 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 non. Fais chier. J'espère que c'est un manche de chien. Parce que sinon, on est dans la merde. À mort, là. Parce que... Oh putain. Allez. Ah voilà. Putain, par contre ça c'était dangereux. Enfin c'est dangereux parce que là du coup j'aurai pas le temps. J'aurai pas tout le temps de faire ça. Enfin si, peut-être on va tenter. Au pire on va sortir le canon. Allez, on va pas hésiter à l'utiliser. Allez. De toute façon normalement c'est bientôt les chiens donc... On aura de nouveau des munitions, allez venez, hop là on fait un petit coup et on se casse en téléporteur, voilà. Donc là c'est plutôt dangereux parce que j'ai pas attendu jusqu'à le truc. Vous savez quoi, on va... Allez, parce qu'on est des riches, on est des bourges, on va faire ça. Voilà. Comme ça on a un peu plus de munitions. Comme ça on tiendra un peu plus de coups avec celui-là. Même si voilà, c'est pas mon arme préférée. Et puis je vais pas hésiter à bientôt prendre la MP40. Mais ou la MP4, comment elle s'appelle déjà. Comme ça, mais pour le moment on va quand même rester avec le pistolet laser. Parce que c'est vrai que il est quand même assez bien sur le tas des ennemis. Par contre on va faire des remports. Allez, ramper les gars. Là, comme dit, s'il y a un seul zombie, ça peut être vachement dangereux. Genre là. Je pense pas que c'est principalement dangereux, mais c'est que j'arrive vraiment pas à le gérer le coup. Mais bon. Donc là, normalement, on a fait des rampants, donc là, on peut y aller, on peut tous les tuer. Oh putain. Allez, foutez-moi la paix. Donc les rampants, je vais pas forcément les tuer parce que... Faut vraiment pas que ça se lance. Allez, on va activer la pierre. J'en rappelle plus où est-ce que sont tous les pierres parce que si on active tous les pierres là, il y a une musique. Putain, ça fait chier parce que ça, avec les potes, on se le faisait à chaque fois, mais moi en fait j'ai juste activé cette pierre là que vous voyez là en fait. Enfin vous la voyez pas mais c'est là que je viens d'activer. Et puis les autres en fait c'était les autres qui le faisaient donc je sais pas trop où ça se trouve mais on va les trouver. Mais je sais même pas si j'ai le droit de mettre la musique au niveau des trois d'auteur.
Ça, je crois qu'il parle après. Monsieur Durgard. Salut, DMC. Oh, ce n'est qu'une photo. Ah, je suis pas terrible sur celle-là. C'est une photo du petit singe. Oh, regardez, c'est moi. Je suis bien mignon. Je suis bien mignon, en vrai. Mais par contre, je crois que là, non. Non, c'est pas partout. C'est juste... Ah, il y a Bismarck. Pas mal. Non, c'est juste sur ces photos-là. Pas mal. Mais par contre, on va... Je suis toujours à la recherche de Pierre, là. C'est pas grave. Par contre, vous pouvez pas me donner des conseils parce que... Bah, forcément, je fais tout ça en un coup. Donc, du coup, les conseils que vous me donnez à chaque fois, ça arrive pas chez moi. J'ai trouvé un fragment du météore. C'était un de ces trucs. Donc, par contre, les zombies sont où là? Les rampants. Les derniers rampants qui restent. Sont, est-ce qu'il y en a un encore ici? Non. Donc, est-ce qu'il y a encore des zombies? Pas forcément. Mais ils sont où? Déjà, on va mettre la liaison de rampe. Alors, c'était où? Ah, non. Putain, mais j'en ai vu un. Bon, peut-être que je me suis trompé. Je vois déjà des pierres, moi, partout. C'est parti maintenant. On est chaud. Ah merde, il faut que je mette encore d'autres liaisons. Masso dont on a. C'est bon. Allez, maintenant on peut recommencer tout ça. Allez les gars. Non, c'était pas les derniers. Oh non, on peut louper un péché. Ah bah. Voilà. Ah bah, senti. J'espère que oui. Voilà, donc là, si c'est pas mange de chien, je pense que au prochain tour, je vais échanger le pistolet laser. Ah bah, c'est les chiens, donc on va pas l'échanger. On va l'utiliser encore. Maman a dit de ne plus faire mal aux animaux. Vraiment que je fasse gaffe avec le pistolet laser parce que franchement moi je suis capable de me tuer un peu avec ça, c'est le truc à jamais faire. Voilà, tranquille, c'est bon. Donc là on va se dépêcher avant que la manche elle commence. Voilà, comme ça on a de nouveau les clés morts. Et puis le téléporteur il est déjà prêt pour la prochaine manche. Ça c'est super. Donc maintenant c'est parti, manche 25. Et puis voilà, du coup on a de nouveau toutes les munitions du pistolet laser. Donc on va tenir encore une manche minimum. On recommence à faire les rampants et à nous faire des points quand même aussi, et bien sûr à tuer aussi les zombies. Ça, c'est le plus grand des objectifs bien sûr en zombies. Regardez, ça rampe vers moi, des fontaines de larmes. Allez. Ah merde, on a encore le film. Ah voilà, j'ai pu le mettre encore. Donc c'est parti pour un nouveau film qu'on regarde jamais. Intéressant. Je fais toujours changer de film, mais c'est pas très utile. Donc le pistolet laser, il est quand même trop puissant pour se faire beaucoup de points. Putain, pas mal, ça. On fait pas vraiment de points, on reste un peu pareil avec les points, mais bon,
tu me veux toi maintenant. Oh putain, maintenant ça recommence. Ça y est, maintenant il y a plein de zombies. Oh putain non. Alors ça j'aime pas du tout. Il y a... Non 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 non. Dans les pièces comme ça c'est... Oh putain. Oh putain. Casse-toi. Cassez-vous tous. J'en ai marre. Là je vais rager. Donc, je vais utiliser tous mes thunder. Tous les munitions de thunder. Putain mais ça... Oula mais ça chauffe. Hein. Ils sont plus aussi mignons qu'avant. Donc on va mettre ça. Et après ça... Voilà. Donc on va bientôt nous reprendre la MP40. Parce qu'elle fait quand même plus de points. Et puis du coup, avec plus de points, on peut faire beaucoup plus de trucs. Comme dans la vraie vie, avec plus d'argent, on peut forcément faire plus de trucs. Par contre, non. Donc, avant de la prendre, en fait, on va plutôt se faire des casques. Et oh, t'as pas envie de mourir, toi. Ah, voilà, c'est bon. On va aussi installer le téléporteur. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis encore l'autre. Bonjour. Voilà. En espérant que on aura les singes. Ou alors une belle arme qui fait des points. La commando, elle est pas mal aussi, mais par contre le problème c'est qu'elle a pas assez de points. Pas du tout assez de munitions. La Khalil est très bien aussi. Ok. Putain, j'aime pas du tout le rire de la caisse qui disparaît là, enfin qui change de place. C'est horrible. Le rire de bébé. Par contre, tout ça, on va... Oh, le film. On va se le faire la prochaine fois, dans un prochain épisode. Donc, on se revoit très très bientôt pour la suite. Et puis, je vous dis à la prochaine. Putain, c'est juste là en plus. Je vous dis à la prochaine pour la suite du mode zombie. Et la Galil, on va la prendre. Et j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vert et puis un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis comme dit, on se retrouve très très bientôt pour la suite. Salut Jean.